écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis devenue une youtubeuse beauté. J'ai jamais été aussi belle. Des racines à n'en plus finir. Un maquillage naturel et de rêve. Oui. Comment rester belle à bientôt 68 ans? Naturel, les racines, la queue de cheval en permanence. Et le tour est joué, et voilà, ma chaîne est devenue une chaîne beauté. Voilà, écoutez, non mais franchement, ça fait un moment que je cherche un coiffeur. Parce que j'ai envie de me faire faire une couleur, voilà, et de les faire couper. Pas court, non. Ils sont très longs maintenant. J'ai juste envie d'un dégradé long, voilà. Et je regarde un peu les avis. Je vais sur internet, je regarde. Quand je vois les avis, je pleure ma race. Non mais franchement, je ne sais pas où aller. Alors j'attends. J'attends quoi? Peut-être d'avoir les cheveux au cul. Ah non mais ça me gonfle. Parce que j'irai, franchement j'irai là. J'en ai besoin. Changer de tronche, faire un dégradé long. Enfin voilà. Mais le problème, c'est que à chaque fois, mais c'est vrai ça, hein, à chaque fois que j'ai voulu un truc sympa, je suis ressortie en pleurant quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Je me souviens, à un moment donné, j'avais les cheveux longs. Ils avaient mis un temps fou à pousser, hein, parce que j'étais partie d'un carré plongeant là, et j'avais envie de changer au bout d'un an de ce carré plongeant, j'avais envie de changer. Donc, je les avais laissés pousser, et je vais voir ma coiffeuse qui était très douée pour les carrés plongeants, il y avait une frange, le carré plongeant, et je lui dis, tu vois, la longueur, ils étaient là, hein, la longueur que j'ai, je veux plus de carré plongeant, je veux juste que tu me dégrades un peu le bas. Ah! Pour dégrader, elle a dégradé. Ah oui, mais très court. Ah non, putain, quand je suis sortie de chez elle, elle m'a pourvu d'ailleurs. Non mais, j'avais les cheveux là, je voulais un dégradé là. Putain, elle me les a fait là, quoi, encore plus court que quand j'avais le carré plongeant. Quoi. Ah ben, j'y suis plus retournée, voilà. Alors que les carrés plongeants, c'était super. Chacune a sa spécificité, hein. Bref, donc je ne sais pas où aller. Ça me gonfle, parce que je vais vous dire un truc. Par exemple, vous allez chez un franchisé, admettons à Clermont, voilà. Vous trouvez une coiffeuse qui est top. Le même franchisé à Vichy ou ailleurs n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est une franchise que les coiffeurs sont bons. Vous pouvez avoir un super coiffeur à Clermont, le même salon ici, et ben les coiffeurs seront nuls. Alors, je me suis dit, peut-être que, je sais pas, il faudrait que je trouve le petit coiffeur de quartier et que j'aille carrément chez Germaine Babillon, quoi. Ouais. J'ai pas vu l'enseigne encore, hein. Donc, ben, j'attends. Mais là, je vais pas attendre 45 ans non plus, hein. Non, je peux plus. Les racines, alors déjà, que je me maquille pas, parce que j'ai pas le temps, puis j'ai pas envie d'ailleurs, hein. Puis me maquiller, j'arrête pas chez moi, comme je vous le disais, les cartons, je vends des meubles, je vends des trucs, donc les gens viennent. Remarquez, ceci dit, les gens qui viennent chez moi, même si un jour, il y a un super beau mec qui vient chez moi, et qui puisse éventuellement me plaire, quand il va voir ma gueule, et comme je suis fringuée, le mec il achète et vite il se tire, quoi. Ah non, je lui fais peur. Il va dire, mais c'est quoi cette relique, quoi. Enfin, bref. Non mais écoutez, franchement, la vie est une prise de tête permanente, quoi. Hein. Ah, que des ennuis. Parce que ça, mais c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar éveillé, hein. Je dois même en rêver la nuit, hein, de mes racines, hein. Ah, franchement, puis ça a pris racine, là, hein. Voilà, ah, grande racine, là. Enfin, bref, écoutez, avant de commencer, parce que je vous ai pas dit pourquoi je faisais une vidéo, non. Ben, je suis encore très, très feignasse. Mais alors, je suis pas feignasse. Viens faire ce que je fais. J'ai fait mes courses au drive de Carrefour. J'avais vraiment peu de choses à prendre. Et puis, j'avais pas envie de sortir parce que, sérieux, quoi, j'arrête pas d'aller venir, hein. Ah ouais, parce que je vends des machins, voilà. Donc, je sors sans arrêt, j'ai toujours des trucs à faire, à les poster, machin, des papiers, enfin, peu importe. Donc là, je me suis dit, écoute, t'as trois merdes à prendre, tu vas faire tes courses au drive de Carrefour, et au moins, voilà, je vais les chercher,
et c'est top. Donc je fais une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà. Et puis en même temps, je vous raconte un peu ma vie. J'avais mes deux petites tables roses que vous avez dû voir en vidéo là, que j'avais mis sur le bon coin. Ah non, mais écoutez, quel bonheur. Alors je les ai pas vendues ensemble, hein, parce que les gens ils aiment pas les lots. J'avais vendu la première triangulaire, super. Et ce matin, j'ai vendu la deuxième. Ah, quel bonheur. Comme ça, quand je serai dans la maison, je choisirai une autre table. Je ne pouvais plus les supporter, ces tables. Et je suis vachement contente parce que j'avais acheté une ring light. J'avais payé 90 euros. Hein. Je vous en avais parlé, que ça fait des anneaux dans les, au niveau des verres. Et bien, je l'ai vendue et, par le biais du Bon Coin. Et là, on peut poster dans un coin relais. Donc, la personne n'habitait pas chez moi. Donc, j'ai fait mon colis. Et je l'ai déposé au point relais ce matin. Voilà, c'est pour ça que quand je vous dis que j'ai toujours des trucs à faire, je l'ai déposé ce matin. Et bien écoutez, je l'ai vendu 30 euros. Figurez-vous que je l'avais amené chez Happy Cash. Voilà, ils vous payent de suite. Bon, déjà, ils ne savaient pas ce que c'était. Enfin, bref, je leur ai expliqué, ils ont regardé, elle est neuve. Hein, j'ai tout, hein, l'emballage, j'ai la petite mallette et tout. Non mais je l'ai quand même payé, je lui dis 90 euros. Hein, je ne sais même pas si elle n'est pas plus chère maintenant. Non mais, oh. Le mec, il me dit, écoutez, on peut vous donner 10 euros parce qu'il vous paye de suite. 10 euros? Il me dit, vous en espériez combien? J'ai dit, moi, franchement, je sais que je vais pas, je peux pas la vendre le prix que je l'ai payé, mais 30 euros. Il me dit, non, c'est 10 euros, donc qu'il me donne de suite, hein, généreusement, ou 15 euros, alors là, il montait, mais en bon d'achat. C'est-à-dire qu'on ne me donnait pas le fric et j'avais un bon d'achat de 15 euros pour aller acheter des trucs dont je n'ai pas besoin, quoi. Ah non, mais alors du coup, moi j'ai dit non, mais plutôt je la garde. Hein. Je l'ai vendue, je suis super contente. Donc. Ah, on m'a encore dit que j'avais à rire forcé. Alors il faut savoir que j'adore rire. Hein. Je pleure aussi beaucoup. Je pleure beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais petite, ma mère m'appelait Jean qui pleure et Jean qui rit. Parce que autant je pleurais, autant je riais. Quoi. Voilà, je pouvais pleurer, deux secondes après, je riais aux éclats. Ah oui, on m'a dit, ton rire est forcé. Alors là, attendez. Je vais vous en faire un. Ah oh attendez, j'ai le droit. Je vais vous faire un rire naturel. Même la bouche, elle ne rit pas. Ça s'appelle glousser. Glousser. Voilà. Donc, eh ben, je me force à rire. Ben, j'adore, écoutez, plutôt que de pleurer en vidéo, à vous dire, j'ai acheté ça. Eh ben, je ris, et je me force à rire. Ça me fait penser à une amie de ma mère, non mais, qui est décédée, hein. Voilà, tout le monde est mort d'ailleurs. C'est triste, hein. Faut pas y penser, parce que j'avais une amie de ma mère qui était pied noir aussi. Ma mère me disait, arrête, Françoise, arrête, parce que c'était des très très bons amis à mes parents. Et chaque fois qu'on allait chez elle, alors elle avait deux filles. Et moi, j'étais copine avec une des filles. Voilà, parce que toi, t'étais plus grande. Et donc, on était copines, je jouais avec elle. Et cette femme, elle était géniale, elle me faisait rire. Parce que quand elle vous disait quelque chose de joyeux, par exemple, alors elle avait accent pied noir, hein, bien évidemment. Et elle allait vous dire, par exemple, je vais vous dire un truc. Aïe, 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 ma fille! Tu le crois, Martine, elle a eu son examen. Aïe, 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 elle a eu son examen. Et moi, je disais à ma mère, non mais attends, on a l'impression qu'elle pleurait, quoi. Aïe, 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 comme je suis contente. Mais si tu savais comme je suis contente. Aïe, tout va bien. Son mari, elle l'appelait Fredou. Fredou. Il était bon son mari, il était assez. C'est une pied noire juive, mais bien comme ça, j'adorais. Et toujours comme ça. Bonjour ma fille, comme tu es belle. Putain. Et ma mère me disait arrête, hein, arrête. Je l'imitais pas devant elle. Hein. Ah bah non, 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 non. Mais je l'imitais à la maison. Et je lui disais maman, qui j'imite? Regarde ma fille, comme elle est gentille. Arrête de te faire ça rire, hein. Mais ça me faisait rire. Elle était trop rigolote, quoi, cette femme. Mais toujours, on avait l'impression qu'elle pleurait. Alors que son mari, lui, c'était très là. Mais en fait, elle était contente, hein. Mais c'était sa façon. Bonjour, ça va? Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement contente de te voir. Oh, putain.
Enfin, c'est pas beau, hein. Non, non, mais c'est des trucs qui m'ont vachement fait marrer, ça. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait rire dans ma vie. Il y a plein de trucs aussi qui m'ont fait pleurer et qui me font encore pleurer. D'autres choses, hein, d'autres choses. On pleure, on rit, voilà. Donc, je me force à rire. Bien. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer ce que j'ai commandé au Drive de Leclerc, parce que le but de la vidéo, c'est ça. C'est pas de raconter des histoires et des mensonges. Arrête de mentir. Tout le monde me croit et je passe ma vie à mentir et on me croit. Oh, c'est magnifique. Avant de vous montrer mes courses, franchement, en principe je le fais à la fin, mais après je vais oublier. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo Confidence sur mon divan. J'ai vraiment lu tous vos commentaires, alors je lirai ceux qui arriveront, hein. Et franchement, vos anecdotes, par contre, c'est vrai que j'en ai lu, entre autres une, là, qui était vraiment triste, quoi, hein. Une jeune personne qui est morte, j'ai plus les pseudos, hein, je vous prie de m'en excuser, mais c'était un jeune homme, je crois, qui est mort dans un accident de voiture. Quand je lis des trucs comme ça, même si je connais pas les gens, ça rend malade, surtout quand c'est des jeunes en plus, hein. Mais bon, donc je vous remercie pour toutes les anecdotes, hein, parce que vous en aviez des bonnes aussi, hein, certaines, hein, certains, hein, vous m'avez raconté des trucs, croyez-moi que j'ai rigolé aussi, hein. Voilà, donc je suis super contente d'avoir pu vous faire rire avec mes conneries, voilà, et c'est vrai que vous me dites, on est obligé de rire quand tu racontes, mais bien sûr, parce que je vais pas raconter en pleurant, et c'est vrai que tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, parce qu'il y a d'autres choses qui reviendront, hein, en vidéo, mais tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, même si sur le coup certaines choses m'ont fait flipper ou m'ont fait de la peine, et ben avec le temps j'arrive à en faire des sketchs, quoi. J'arrive à rire des pas de tout, hein, mais de certaines anecdotes ou de certains malheurs que j'ai pu avoir, j'arrive à en faire des sketchs et à en rire moi-même. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, marrez-vous, quoi. On est là aussi pour ça, hein. Même si des fois je fais quelques vidéos où je pleurniche, hein. Bon, ben écoutez, maintenant je vais quand même vous montrer mes courses, ok? Voilà, alors on est parti. J'ai pris, yes, de la salade Iceberg Carrefour. Yeah, que je payais 1,50€. Ensuite, j'ai acheté des endives. Tu vois, une petite endive. 99 centimes. J'espère qu'ils ne les ont pas compté plus cher, hein. Non, 99 centimes et 99 centimes le paquet d'endives, 500 grammes. Et c'est pour manger en salade, comme ça. Je vais me régaler. D'habitude, je les fais braiser. Mais là, j'avais envie de les manger en salade avec des cerneaux, des noix. Ouais, alors bio, je m'en fous, je le répète toujours, hein. Cerneaux de noix à 3,50, c'est cher. Mais vous savez que j'en ai vu d'autres qui n'étaient pas bio, qui étaient plus chers, hein. J'ai pris des pommes gala, voilà, comme ça. Je mange des pommes, hein. Bon, faut manger des pommes, hein. Que j'ai payé 1,50€. J'ai pris une petite compote de pommes Allégé, comme ça. J'adore la compote de pommes. Il y a longtemps que j'en ai pas acheté. 78 centimes. Donc, je repose tout après. Yes. Des steaks hachés. Steaks hachés, le charolais, pur bœuf. Façon bouchère, regardez, oh ils sont trop beaux, j'adore, je prends les façons bouchère. Et en fait, je les ai payés combien? 5,50 et on en a 4, il n'y a rien à dire, hein. Non, non, c'est tombé par terre encore. C'est la faute à Voltaire de tomber par terre. Yes! Hop! Hop! Mes noix. J'ai pris du surimi, tendre, Carrefour, j'aime bien surimi tendre. Bon, bah oui. Au poisson sauvage, on en a 12. C'est de la pêche durable, voilà, donc c'est la marque Carrefour, hein, toujours. Alors après ça, j'ai pris de la Vichy Célestin, je vais me refaire une petite cure, parce que j'aime bien, bah, j'en avais plus, hein. J'en achète pas tout le temps, hein. Ça fait péter, oui. Alors déjà que je pète sans en boire, je vous dis pas, vous allez voir ce qui vient après. Donc j'en ai pris deux bouteilles, comme ça, ce sont des bouteilles d'un litre 25, je fais honneur à ma région. Et je les ai payées 70 centimes, la petite bouteille de Vichy, elle est tellement jolie, elle est vachement bonne, la Célestin, j'adore, la ceinture aussi, hein. Mais j'aime bien les deux. Et là, ah, oh, yes. Ah, écoutez, j'ai pris un cola zéro, c'est une bouteille d'un litre 5, j'en ai pris qu'une bouteille, hein. J'en bois de moins en moins, mais là, ça me fait de temps en temps, et oh, 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 oh.
j'ai le droit de me récompenser, hein. Ça, ben oui, quand même, j'ai des mérites, hein. J'ai des mérites, hein. 0,56 centimes, petit colore. Après, j'ai pris, ben, comme d'hab, hein. Alors, je les adore. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a que celles-là, elles sont chiantes, hein, elles sont des beaux. Les salades Montmartre. Avant, ils avaient une autre marque, c'est toujours en rupture de stock, ça fait chier, hein. C'est pas une autre marque, ils avaient une autre sorte. Donc, les Montmartre, pas de crudité, jambon supérieur et mental. Elles sont super bonnes. On a toujours pareil, hein, les petits graissins comme ça. Et puis, on a un petit cookie. Voilà, elles sont super bonnes et je les ai payées 2,88. Non, mais je le répète, il n'y a rien à dire, quoi. Alors après, j'ai acheté du cirage marron. Il m'en faut absolument pour rénover des pompes marron. Donc c'est à nourrir et protège à la cire d'abeille. Là c'est hyper cher le cirage, hein. Franchement, j'ai payé le cirage, non mais 3,06. Après on ne cire plus les pompes, hein. Après j'ai pris du scotch comme ça. Alors j'ai un dévidoir professionnel, mais les recharges, j'ai dû les ranger les cartons. Donc j'étais bien obligée d'en acheter. J'ai acheté, donc je m'en sers tout le temps. Ruban adhésif et pareil, 2,65. Et c'est des malades, hein. Alors j'ai pris sans dévidoir parce que le dévidoir, je trouve, ça m'énerve ces dévidoirs en plastique. Quand vous les coupez là, putain, ça vous arrache tout et ça coupe rien. Donc j'aime autant le prendre comme ça. Hein. Ben, c'est pas donné, hein, leur merde. Hein. Franchement. Alors après, j'ai pris des yaourts au muesli. Hein. J'en prends souvent. Activia, Bifidus, céréales, source de fibres. Donc on en a 4. Voilà. Je les ai payés combien, eux? Yaourt muesli, 1,96. Alors après, j'ai pris de la. C'est Sveltes, hein. Nestlé, Sveltes, pour maigrir. Yaourt au caramel, 1,35. C'est pas du tout pour maigrir. Hein. Ça, je sais très bien que tous ces trucs-là, c'est de la connerie. Mais je sais pas, ça me faisait envie, c'était au caramel. Et puis en plus, c'est des yaourts, donc je voulais les goûter. Voilà. Après, j'ai pris donc du fromage blanc saveur vanille. Ah, par contre, ça a 0% de matière grasse. Hein. Ce sont des fromages blancs saveur vanille de la marque Carrefour 203 et on en a 8. Voilà, 8 petits pots. Voilà, ça j'aime bien. Il y avait longtemps que j'en avais pas racheté parce qu'à force je pouvais plus y voir, ça m'écœure à force. Donc ça c'est fait. Et alors après, j'ai pris Taifine là. Eh ben, écoutez, hein, entre Sveltes et Taifine, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux. Si j'ai envie de manger des trucs taille fine, si j'ai envie de manger du Sveltes pour être mince. Non, c'est pas pour ça, c'est que ça me faisait envie aussi. Je veux goûter, parce que j'ai jamais goûté ces trucs. C'est de la mousse au chocolat, voilà. Et j'en ai pris, hop là, j'en ai pris 2 paquets et on en a 4 à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils mettent? Mousse au chocolat, bah écoutez, ça, bah, je vais goûter, hein. 1,9% de matière grasse. Ceci dit, c'est sucré, hein. Mais s'il y a moins de matière grasse, vu que j'ai du cholestérol, c'est pas, ça ne me fera pas maigrir, hein, parce que si à côté je mange des trucs qui font grossir, mais s'il y a moins de matière grasse, c'est surtout pour ça, on va dire. C'est pas plus mal, hein. Parce que même dans les Sveltes, là, qu'est-ce qu'ils nous mettent? À conserver au frais, à consommer. Ils mettent rien, les cons, là. 425. Ils mettent pas le là. Oh! Ouais, bon, énergie. 92, mais si c'est là, ah, 0,9% de matière grasse, vous voyez, donc en fait c'est pas mal, quoi. Je vais peut-être acheter des trucs comme ça maintenant, parce que finalement, et là 0% de matière grasse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matière grasse dans beaucoup d'aliments, hein. Et là en fin de compte, le sucre je m'en tape, hein, il y en a toujours, mais s'il y a moins de matière grasse, tiens, je vais finalement, pas pour maigrir, mais pour éviter la matière grasse. Voilà, ben c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est tout ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 38,50 €. Voilà. Donc, ben je vais ranger mes petites courses. Hein. Alors, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait fait un commentaire sous une vidéo, justement. C'était un drive Carrefour en disant que je ne mangeais que de la merde. Ben écoutez, en attendant, je vais vous dire une chose. C'est bien, mais c'est une bonne idée, sans déconner. Imaginez, vous faites un repas. Et ça vous dure un mois, l'histoire. Parce que vous allez manger... Vous allez chier parce que quand on mange de la merde, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Attendez, on mange de la merde. La merde, c'est quoi? C'est du caca? Bon, alors, vous mangez, vous faites un repas. On va dire une journée, allez, une journée. Vous allez chier. Vous remangez votre merde. Ben, c'est ça, manger de la merde. En attendant, c'est écolo. Vous faites des méga économies. Économies, vous vous rendez compte? Vous achetez pour faire un repas et ça vous fait tout le mois, dites donc.
Donc, eh ben, je vais peut-être suivre ce que le troll a dit en commentaire, sans déconner. Mange de la merde. Eh ben, mangeons notre merde. Allez, tous avec moi. Toutes avec moi. On va manger nos merdes. On va manger nos merdes. Ouais, et ça, j'ai jamais goûté. Mais c'est peut-être bon, ceci dit. Vous savez que, et sans déconner, quand je travaillais à l'Hôtel Dieu, c'était au service invalide, hein, eh ben c'est triste. Hein. Ah putain que c'est triste. Hein. Là, c'est pas marrant, hein. Franchement. Je ris pas d'ailleurs en racontant, parce que, eh ben, il y avait des personnes qui avaient carrément perdu la tête, hein, qui étaient en couche culotte et qui se faisaient dessus, hein, les pauvres, putain. Quand on arrivait dans les chambres, des fois, elles avaient les mains emplâtrées, hein, et elles mangeaient ça. Ben, croyez-moi que quand on voit ce qu'on voit dans ce genre d'endroit, je pense que tous les connards et les connasses là, qui vous écrivent des conneries, même à tout le monde, qui sont mauvais, etc., qu'ils aillent y faire un tour. Parce que quand ils verront ce qu'on peut devenir, alors tout le monde, bien évidemment, ne perd pas la tête, tout le monde ne devient pas comme ça, mais quand on voit ce qu'on peut devenir, hein, et ben, je peux vous dire que ça calme, franchement. Parce que on se dit, enfin je sais pas, et encore, vous savez, le con restera toujours con. Hein, faudrait. Mais peut-être qu'un stage dans des endroits comme ça, hein, dans des services invalides, eh bien peut-être avec un miracle, eh bien les personnes verraient peut-être la vie autrement et deviendraient peut-être moins cons et moins mauvaises. Voyez ? Parce que en fin de compte, moi c'est ce que je dis souvent, on est de passage sur cette terre. Alors il y a des gens qui vieillissent super bien et c'est tant mieux, franchement. Qui meurent de leur belle mort, sans maladie, et puis il y en a d'autres, ou qui perdent la tête, ou qui ont des maladies graves, et même jeunes, hein. Mais je dis, on y va tous, hein. De toute façon, peu importe l'âge, et le plus tard est le mieux, mais on y va tous. Alors quand on voit ce qui se passe sur cette putain de planète, franchement, je me dis, mais c'est quand même triste, hein. On pourrait tellement vivre heureux tous ensemble, quoi, hein. On serait là, on serait heureux, mais il y a... Et étant donné, alors je vais vous dire un truc, étant donné qu'il y a quand même toujours des abrutis qui vont venir vous faire chier, alors effectivement, vous n'allez pas dire « Ah, oh, c'est pas grave, t'es mignon, caresse !» Non, on vous fait chier, enfin moi je riposte, hein. Voilà. Donc, ceci dit, vous devenez l'agressif aussi du connard qui vous a agressé. Mais enfin, à la base, si on ne vient pas vous agresser, que vous n'avez pas un tempérament à vouloir faire chier le monde, eh bien, vous fermez votre gueule, quoi, vous emmerdez pas les gens. Quand j'étais gamine, mais même, bon, ça m'est passé, quand j'étais jeune, même pas gamine, hein, mais je me disais, putain, mais je rêvais d'un truc. Vous voulez que je vous dise, je rêvais d'un truc. Je me disais, si seulement, sur cette planète, on pouvait mettre toutes les bonnes personnes, les gens bienveillants, les gens aimants, ensemble, et toute la vermine, les connards, les pourritures qui vous pourrissent la vie, ensemble, les parquets. Mais vous vous rendez compte, on vivrait dans un monde, mais vraiment de rêve, quoi. Alors c'est une utopie, hein. C'est une utopie. Et allez savoir si de mettre tous ces gens gentils ensemble, il n'y en a pas un qui deviendrait méchant. Ah putain, mais ceci dit, on le prendrait, on le jetterait de l'autre côté. Parce qu'il y aurait un mur, là. Voilà, des trucs électrifiés. Oui, bah oui, parce que les méchants, ils pourraient venir vers les bons. Et celui qui n'est pas bon, ben on le prend, comme ça, on le lance, tchac. C'est un lancer de con, on dirait. Tiens, tac, tu le prends, lancer de con, rejoins tes confrères. Tes confrères, voilà, là-bas, de l'autre côté. Et ben moi, je pensais à ça quand j'étais gamine. Ah oui, j'étais une très grande rêveuse. Je le suis toujours, d'ailleurs. Hein. Je suis toujours très rêveuse. Hein. Mais enfin, peut-être un peu moins, remarquez, parce que faut bien se rendre à l'évidence. Hein. Ah ouais, le monde est loin d'être un rêve. Hein. Ah oui, ouais. C'est un combat permanent. Hein. À part, mais tout le monde combat. Tout le monde combat, parce que je vais vous dire, on combat la maladie, on combat les attaques personnelles, on combat tout dans la vie. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, eh ben, ça peut être fatigant, quoi. Voilà, bon, ben, sur ces bonnes paroles, je vais vous quitter, hein. Je vais manger mes courses. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés, hein, parce qu'on grandit, on grandit. Mais il faut arrêter à un moment donné, hein. Parce que je fais déjà 1m72 maintenant, parce que je faisais 73, mais je me tasse, hein. Je vais faire 1m50 bientôt, je ferai ouh, 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 je ferai comme
comme ça. Voilà. Donc, on grandit. Je vais arriver à 1m90 hein, et les dépasser. Hein. Non, mais merci vraiment. Ça me fait super plaisir, hein, honnêtement. Parce que ben, je me dis, en fin de compte, ce que je fais, ben, je suis récompensée quelque part. C'est ça, ma récompense. Et ça me touche profondément. Voilà. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.